Bonjour à tous, c'est Maxime Mounaï, on se retrouve pour la suite de la Soyuz de Deus Ex. On prononce à chaque fois d'une façon différente, c'est marrant. Ok, donc on s'est arrêté la dernière fois, on a enfin trouvé le QG. Ok, on n'a pas vraiment avancé dans l'histoire précédemment. Moi j'ai trouvé le PQ. Oui, Steve c'est toujours un fanat du PQ. Hein. Ouais, je t'ai dégommé la gueule, espèce de putain de connard. Ouais, mais ah, c'est sans... il est gentil le soldat Lloyd, avec deux ailes au début. It's my first day too, I'm pretty excited. C'est le premier jour pour moi aussi, je tiens pas en place. Ah, il me félicite parce que j'ai réussi à être discret. J'ai dû recommencer 300 fois. That's against protocol, agent. Shannon, des munitions ont à nouveau disparu. Nous avons dû changer le code de la porte de début. I was in your class at the academy, you probably don't remember. 0, 8, 5, 6, 1, 10. T'as mis une voix de téléphone, ça. Par contre, le con là, il me parle pendant que je suis en train de lire l'info cube. Donc, t'écoutes pas, pauvre con. Hein. Manderly's office is on level 2. Oui, c'est bon. Toi. Je veux pas te parler, je t'aime pas, toi. Moi aussi, je t'aime pas. Espèce d'enfoiré. I've got to watch the door. C'est qui est en train d'assumer tout le monde. C'est quoi ton dernier mot, connard? Eh ben, je vais t'asperger la gueule avec un extincteur. Ah ouais. L'arme la plus puissante du jeu, l'extincteur. Sérieux? Ouais. Elle est tellement puissante qu'elle fait aucun dégât. Ah. Lance jet d'eau. Bon, vas-y, je referme la partie parce que... Mais il faudra que tu m'expliques qui c'est qui est invincible ou pas, parce que le mec du début dans la tour il était pas invincible, j'ai réussi à le buter facilement, mais là pour l'instant tous ceux que je croise ils sont invincibles, j'arrive pas à les buter. C'est Dieu, sous plusieurs formes. Faudra que tu me dises hein. Ouais, j'ai un calice. I was in your class at the academy. Ouais, you probably je me balade, je me dis. J'ai un trophée. Non, c'est pas un calice. You're just kidding around, right? Ouais, je suis pas sérieux. Le mec, je lui balance le trophée à la gueule, il me fait mais t'es pas sérieux. Il y a d'ennemis dans les parages, je le vois, je le vais. Ok, je vais chez Manderley. Merci de me dire trois noms différents, mais c'est quoi ce bordel? Il y a 300 personnages dans ce jeu, important. QG de Lunatco. Et quand même, le QG il était juste à côté de la Statue de Liberté où il y avait les terroristes, tranquille, ils auraient pu y aller. Non, ils m'ont fait venir de très très loin pour le faire à leur place, les gros cons là. Moi je me balade, je sais pas où je suis. Je veux dormir, j'ai sommeil. Regardez ce miroir là. Ouais. Je veux dormir, ouais. Les gens. Oh ouais, je joue avec l'eau. Ouais. Come on in. Ah, voilà, enfin le jour. Ouais. C'est pas vraiment le jour. Donc voilà la carte de du monde. C'est pas la carte. Ouais, il y a même l'Arctique et l'Antarctique qui est représenté. Voilà. Ça, c'est rare pour une carte. En tout cas, à l'école, il n'y a pas de carte comme ça, hein. Verrouillé. Et moi, j'ai envie de déverrouiller, connard. Mais en fait, il sert à quoi, le sélecteur? Jusqu'à maintenant, il m'est inutile. Le sélecteur sert à sélectionner. You're serious? Remember that Mr. Manderly wants to see you. Level 2. His secretary, Janice, has login and password. Ok, mon login et mon mot de passe. Ah, ça veut dire que même moi je le connais pas. Merci, il y en a une qui connaît mieux que moi. J'ai les mains pleines. Ok, je vais prendre le drapeau. Ouais, bah carrément, je prends le drapeau. Eh, vas-y. Je le mets devant la porte. Et je vous... Ils sont bien. Voilà. Voilà. Je trouve que ça a une meilleure place ici. Je refais la déco. Hell of a first day. Un sacré premier jour, merci, hein. We finally got to cap some rebels, eh, Denton? Ouais, je suis mis à pâté à des rebelles. Même si pour l'instant, j'ai l'impression que c'est nous, les gros connards, dans le tas. Parce que quand même, les mecs, hein, t'es d'accord? Ils voulaient juste donner du vaccin au peuple. Et nous, on arrive comme ça, on leur pète la gueule. Ah, moi, je dis, c'est pas très moral, hein. You found your office. Si, c'est bien. Did you give you your login? I guess not. Let's see. JCD password Bionic Man. Où je suis JCD, Bionic. Mais c'est même. C'est qui Janice? Je l'ai pas croisé. Bon, heureusement, il y a ce con qui me donne quand même le mot de passe. Donc, fuck Janice. Ah! Putain, du jour je passe à la nuit, mais j'en vends pas! Mais bordel!
J'ai déjà oublié mon mot de passe, putain. Redis-le moi. Piraté. Le mec il pirate son propre ordinateur. Vu qu'il connaît rien. Il sait même pas son mot de passe et tout. Tu te rends compte quand même, le mec il pirate son propre ordinateur. Wesh, Rayman, je le prends. Oh, merde, piratage détecté. Quoi? Je vous jure, c'est pas moi. Allez, faisons le mec naturel sur la chaîne. Je vous jure, j'ai pas piraté. Ils peuvent pas savoir c'est moi. On va lire le livre. Règlement de lunettes de présentation. De 9 niveaux d'accréditation au-dessus de la classification top-secret. Le règlement ainsi que tous les documents qui ne comportent pas de symbole de classification spécifique sont classés Angel 0A. Si vous n'avez pas accès au niveau Angel 0A ou à ce niveau supérieur, présentez-vous immédiatement au rapport chez votre supérieur hiérarchique sous peine de sanctions disciplinaires. Sympathique. Les autres niveaux d'accréditation vous sont dédiés au moment où vous recevez la dégradation Ridouane. Afin d'apporter une réplique efficace contre le terrorisme, les Nations Unies ont créé l'UNATCO, une force internationale d'intervention rapide capable de faire face à tout type de situation. Même à une panique dans un club de striptease? Vous pouvez être légitimement fier d'appartenir à ce corps d'élite. Vos capacités physiques exceptionnelles ont dû valoir être classées dans un pourcent de l'élite des soldats de votre nation, tandis que vos facultés intellectuelles ont dû être affûtées pour l'extrême au sein de la précieuse académie de l'UNATCO. En tant que membre d'une organisation complète, vous comprenez la nécessité d'obéir aux ordres reçus sans hésitation. J'aime pas obéir aux ordres. Vos supérieurs sont généralement en connaissance d'informations qui peuvent vous être révélées pour des raisons de sécurité. La moindre hésitation chez un agent dans l'exécution des ordres donnée peut entraîner non seulement l'échec de sa mission, mais aussi des pertes inutiles. L'UNATCO vous fait confiance, et cette confiance sera récompense à terme de l'accroissement de capacités optionnelles. Affrontez les ténèbres et brandissez au vol. Oh, la flamme de la liberté! Et le livre de 400 pages, je l'ai lu sans problème, là, hein. J'adore. Eh ben, pousse-toi, là. Encore un livre! Putain. Règlement de l'UNATCO. L'UNATCO et les civils. Au cours de leur mission, les jeunes de l'UNATCO se trouvent fréquemment en contact avec les civils. Vous êtes un soldat de la paix et dans toute situation, votre premier objectif doit être vider toute perte de vie, envie de vie, même. Putain. C'est pas tant qu'ils me le disent! C'est après que j'ai buté 50 clodo qui me disent ça. Si des terroristes peuvent faire trouver davantage sur des civils, ça peut être le cas des agents du NATCO. Faites les sommations d'usage avant d'ouvrir le feu sur un suspect et ordonnez toujours aux passants de se coucher ou de se mettre à abri. Dans la mesure du possible, évitez d'ouvrir le feu dans la foule. C'est marrant, mais tout ce qu'ils me disent, je vais faire le contraire. Tout civil blessé ou tué est considéré comme un dommage collatéral, mais jamais comme une conséquence négligeable. Ah bah c'est bon! C'est juste un dommage collatéral! Le mec tuer pendant tout le monde! Le mec durant toute la mission il fait que tuer des civils à la fin, il dit oh c'était que des dommages collatéraux! Néanmoins gardez à l'esprit que tout civil non habillé en GRA au moins est un espion potentiel et donc un suspect. Les espions ressemblent aux gens ordinaires, c'est pourquoi il vous faut apprendre à considérer le secret comme votre meilleur allié. Quoi? N'oubliez pas, ensemble nous vaincrons. Donc le secret. C'est-à-dire personne ne doit savoir le mot de passe. Ah merde, il y a le scientifique et Janice qui le savent. Il faut que je les bute. Bon les mecs, ça vous dérange pas que j'ai essayé de pirater mon propre ordi, hein? Si, j'ai l'impression que ça les a dérangés. Bon, elle est où Janice? Parce que j'ai déjà oublié mon truc. Salut, c'est... Hello, Mr. Denton. I guess you're here to see Mr. Manderley. Welcome to UNATCO HQ. Our little family keeps getting bigger. Mr. Manderley available. Yes, go right in. By the way, your computer account is ready. Log in JCD, password Bionic Man. Tu peux me redire le mot de passe? Non mais redis-moi le mot de passe. He's waiting, JC. Salope. Elle veut pas. J'ai déjà oublié mon mot de passe. Mais putain, y a personne qui veut répéter le mot de passe. Avec un outil. C'est vrai, on peut revoir les conversations. Attends, je vais vite. Bon, c'est JCD, le nom. Ouais, bon. Je vais pas retenter de pirater, ça a mal marché l'autre fois.
J'adore quand même le gros blaireau qui... Voilà. Bionic Man. Putain, le nom... Le mot de passe à deux balles. JCD Bionic Man. JCD Bionic Man. Bionic Man. Bionic Man. JRS Briefing. Salut Georges. Non, moi c'est Christophe. J'imagine qu'il va falloir que je m'habille plus vous appeler JC. Ah oui, c'est vrai. J'adore. Oui, parce qu'au début on peut choisir le nom de son personnage. Moi j'ai donné un nom à la con à mon personnage. Hein. Bon, son prénom c'est Georges, mais le nom je l'ai oublié. Il me redonne peut-être un jour. Moi je vous habitue à vous appeler JC dans la maison. Je suis pas sûr de comprendre pourquoi ils vous ont prénommé comme ça, mais au moins ils vous ont donné le même nom que votre frère. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit la manière dont ils veulent vous appeler, ça me fait plaisir de voir un nom familier sur le tableau de service. Ma première préoccupation a été d'étudier vos capacités. Je commence maintenant la raison de votre triomphe à l'académie. Chaque neurone de votre cerveau s'améliore, j'arrive pas à parler. C'est ainsi, par exemple, que la voix dans votre tête... Ah, t'es pas le seul à les entendre ? Celle d'un opérateur ici au QG qui manipule à distance l'équipement radio de votre crâne et qui vous dispense des conseils via la comme interface. J'ai déjà formé directement dans votre lobe temporal, évitant le tympan et les neurones sensoriels. Et bien entendu, vous êtes seul à pouvoir l'entendre. Inutile de dire que les nanites comprenaient à vos axes. Bon, tu me peux parler dans un langage français, putain, parce que je comprends que dalle à ce que tu dis là. Peuvent aussi émettre le recevoir des données symboliques. Or, si jamais vous avez un jour besoin d'aide, pas de panique, quelqu'un au QG, elle a sans doute déjà compris. Venez me voir pour en savoir plus, c'est du beau boulot et de la sacrée camelote. J'aime. Ah ouais, j'aime. Le mec qu'on a vu dans le didacticiel, il me manquait lui. Le coordinateur médical régional m'a demandé de vous transférer ce message, ce que j'ai fait sans y adjoindre de commentaires, Dr. Hayes. Vous avez tous entendu parler de la mise en route progressive de notre programme de nanomodification. J'avoue que je vous demande un peu de patience. À ce jour, le Netcon n'est pas cette seule à jouer améliorer. Il y a un second vient de sortir l'Académie. Il faut des ingénieurs sur la bande de l'invisible de Polonable. Vous êtes des deux mécaniques de super utilité. C'est un inquiète de finir la Ferrari dans une dizaine d'années. Déjà, j'ai fait la bonne balle à des doutes et d'envoyer l'idée à mon anonyme suivant. Oh, j'aurais dû faire des hobbies. J'ai le lien pour l'amuser. J'ai parlé de mes jambes. Ah, et j'ai parlé de ma vie, hein, chic. Oh, ouais, ta gueule. De quoi? Tu me saoules à faire l'Africain. Ah, bon, Bouddha. Ah, c'est tout, les blédés du reste de meilleurs moyens. Pleuvez pour augmenter les capacités humaines. Ouais, pas sympa en plus, ils sont sympas. C'est bizarre, vous êtes avec les vieux pour le garder. Celui-là, c'est un pauvre con, ouais. Remerciez les salués comme des héros. Stress engendré par les nanomodifiés. Les agents nanomodifiés auront souvent inféré des situations de stress lors de relations avec d'autres agents, et notamment avec ceux qui disposent de modifications mécaniques, animés par la volonté d'assurer au mieux la sécurité de la perte de tous ceux qui se sont rangés sous la protection. La plupart des agents de l'UNATCO ont choisi de sacrifier toute vie sociale, acceptant d'être modifiés en voyant remplacer leurs membres et organismes par des prothèses mécaniques ou électroniques. Mais ces charges d'âme appartiennent désormais au passé. Et avant d'un nanomodificateur paye le chemin du futur, des milliers de machines micro-organiques coexistent en symbiose parfaite avec vos corps d'origine. Du fait de l'absence de stigmates anesthésiques, les... Oh, tu vas te la fermer, oui. Nanomodificateur. Je lis mes mails. Que ça te... Ouais, bah tes mails, tu vas te les enfoncer là où je pense. Blâmez-le en commentaire. Rétablir certaines jalousies ou ressentiments de la part de ceux que la mécanique a défiguré. Mais tout ce que je comprends, c'est une organisation caille. Ma main. Qui agit comme un seul corps. Chacun est parti de tout, et la compréhension et l'acceptation mutuelle sont engendrées au sein des équipes composées d'agents modifiés ou pas.
si vous avez des questions ou souhaitez aborder certains points, merci d'envoyer un email à Carveréchel, http://lunatco4352768 pour prendre rendez-vous. Nous vous souhaitons la bienvenue à Lunatco. Voilà, j'ai fini mes mails. Des questions ? Non. S'en fout. Ouais, je pète des cartons. Waouh. Est-ce que je peux tuer Janice ? J'ai envie. Je veux tuer tout le monde. Je vais tuer la secrétaire. Si elle, elle est aussi blindée que les autres mecs. Your partner for the next assignment, Anna Navarra, is in the adjoining break room to the east. Maybe you should introduce yourself. Ma partenaire, Anna Navarre ? Quel nom de merde. Perso. Il me demande de retourner à l'ordinateur. Putain. La place du Netco dans le monde. Depuis trop longtemps, les terroristes profitent des tensions internationales et des différences notables dans les législations des différentes nations pour échapper aux divers services de police. Un pas en avant significatif pour être accompli. Je crois que durant toute la vidéo, je vais faire que lire. Hein, pour remédier à ce déplorable. Je suis pas sûr qu'on va affronter d'ennemis dans cette vidéo. De fait, lorsque le président américain Philip Riley Meade, quel nom de merde, a fait pression dans le Congrès ainsi que les États-Unis deviennent États membres des Lunatco. Il faut terroristes les terroriser. Il faut terroriser les terroristes. Déclara-t-il lors d'un éminent concours dans l'État de l'Union et le peuple américain approuva d'une seule voix. Non seulement content de faire des USA un État fondateur de Lunatco, il imposa Liberty Island comme emplacement du quartier général de l'opération sous le regard. Un tas de ce monument ruine Liberté. Voilà, c'est Liberty Island, non, c'est pas Staten. Staten, je vous ai expliqué. Les activités de Lunatco ne se limitent pas à l'antiterrorisme et ses agents s'opposent également à d'autres violations du droit international, telles que le trafic de drogue, le piratage informatique et le blanchiment d'argent. Avec ce soutien inconsidérable des États-Unis, Lunatco a pu prétendre à devenir le cet indispensable gendarme de la planète qu'elle est aujourd'hui. C'était intéressant ce que j'ai dit, hein, mec. JC. Mind if I call you JC? Non, ça me dérange pas si tu m'appelles JC, mais je préfère que tu m'appelles Jean-Pierre. Mais pourquoi il y a tout qui est verrouillé dans cet endroit? Putain. Vous avez tellement peur que je vous les gaule? J'ai pas envie de rencontrer ma partenaire tout pour l'instant. Je vais aller frapper Janice. Janice? Je peux t'appeler Janice? Bon, on va sauvegarder sur QG de Lunatco. Oh, le cri qu'elle fait, c'est bon, c'est bon, je tue pas Janice. C'est bon, les gars, arrêtez. C'était pas moi. C'est bien, on a la magie de pouvoir revenir dans le passé. Ce serait cool si on pouvait faire ça en vrai, t'es pas d'accord? Ouais. Fais une connerie, tu reviens dans le passé. J'ai hâte de vivre. Oh, je visiterai une autre fois. Je vais d'abord rencontrer ma partenaire et ensuite j'irai voir le patron. Ça serait bien de retourner dans le temps. Tu tues un mec, et après tu retournes au passé. Après tu le retues et tu retournes dans le passé. Non, c'est pas pour ça. Non, c'est par exemple, tu dragues une nana, là tu fais une fausse manip, elle te remballe avec une gifle, et bah tu reviens dans le passé et t'évites de la refaire. Voilà, ça fait un jour sans fin, je m'en rappelle, ce film. À un moment, c'était comme ça, il arrêtait pas de se fail avec la nana, mais finalement, il a réussi. Par contre, ce que je me demande, est-ce que maintenant que les journées sont redevenues normales, est-ce qu'il a réussi à bien la pécho? Parce que il a galéré pour réussir à la pécho, alors est-ce qu'il arrive à la maintenir maintenant que les journées redeviennent normales? Bonne question. C'est ça. En fait, ce que montre pas le film, c'est que le lendemain, il a tout reperdu. Il est moche, ce président. C'est le président Philip Maked. Il est moche. C'est les journaux. Les journaux, ils sont moches. Elle répète les deux trois mêmes mots, c'est que ce bordel. Ouais, je joue au flipper. Ah, le pire, c'est que dans Vampire's Masquerade Bloodline, il y avait un flipper Call of Duty, hein. Mais bon, vous le saviez, vous avez vu les vidéos. Hein? Vous saviez? Non. Ah, maintenant, vous le savez. Un flipper Call of Duty. Attends, je le sais toujours pas.
Are you sure you pressed the right button? I do not make mistakes of that kind. Gunther Herrmann. Oh, le nom de... No, I wanted orange. It gave me lemon lime. J'adore le mec qui voulait un jus d'orange, la machine lui a filé un jus de citron. Like orange. So you think the staff has some kind of plot? Yes, they do that on purpose. N'importe quoi. Mead est un martien. Ah ouais, le président c'est un martien, putain. Cap Carner Aval. Les scientifiques de la NASA ont confirmé que le relief érodé du cratère Alba Patera sur Mars représente très pour très le visage du président Mead. What? C'est lui, a déclaré le spécialiste planétaire Kevlar. Putain, mais c'est quoi ces noix de balles? Kevlar Umla. Donc le mec, il a pas besoin de mettre de Kevlar vu qu'il en est un. Regardez là, cette arête, c'est son nez. Vous voyez au bord du cratère, c'est la naissance de ses cheveux. Comme expliqué, avec sa coiffure bien particulière, paraît dans cette région de vallée à parallèle. C'est parallèle tout ça. La Maison Blanche m'a souhaité faire aucun commentaire. Néanmoins, Martin Wisdow, président de UA, ennemi des aliens. EA, it's in the game. Ok, donc EA, c'est des ennemis des aliens. Ok. Ça déclare au Midnight Sun, c'est la preuve irréfutable que nous cherchions. Aujourd'hui, plus personne ne peut constater le fait que Min n'est pas humain, sans au sens littéral. Tout porte à croire qu'il est un général martien, héros de son peuple venu ici pour conquérir la Terre avec le soutien des Nations Unies, Ryan Allen, et Service Post. Alors, si c'est comme dans les films, hein, il Julien... manque pas quelqu'un. Quoi? Il manque pas quelqu'un. Parce que pour te dire, Julien, il a déjà quitté depuis longtemps, à ce que je vois. Julien? Ouais. Oh là là. Bon bah Steve. Attends, je vais voir si c'est encore quoi. Oui, il est toujours là. Enfin, il avait marqué je re... C'est peut-être pour ça, on l'a dû... Ça fait peut-être déjà 10 minutes qu'il est plus là. Ah, mais j'avais même pas remarqué tellement je parlais. Ouais. Et Steve. Ouais. Si c'est comme dans les films... Parce que tu sais bien que dans les films, rien n'est anecdotique. Dès qu'il mentionne un petit truc qui a l'air assez anecdotique, forcément il revient un moment dans le film. Hein. Il a son importance. Bah là, j'ai l'impression que on découvrira que c'est vraiment un martien, le président, hein, au cours du jeu. Je parie combien? Si là j'ai faux, je suis dans la merde. Hein. J'ai plus de fric. My new partner, JC Denton. Don't tell me you're going to wear those sunglasses during a night operation. Si, je vais porter mes lunettes de soleil, et alors? Horatio, personne ne fait chier quand il porte des lunettes. Oh putain, il est moche, Gunther. Oh, il est moche, putain. Forgive my interruption. I just wanted to say that I look forward to working with you, Agent Navarro. Now, if you'll excuse me, I've got to be briefed by Mr. Manderly. I do not expect you to perform as well as Agent Herman, but the mission will require us to do more than frighten the NSF with our baggy coats that make us look bigger than we really are. T'as qu'à te barrer, tu seras pas ma partenaire. Hein, for instance, not to wipe out the enemy, but to leave agents still captured in a locked cell. No problem. Gueule. Non mais juste parce que je porte un manteau noir et des lunettes de soleil trop classe. Gueule. C'est le temps automatique. Ah vas-y. Alors là, j'ai spawné le bouton du distributeur, maintenant il est vide. Oh, 300 barres chocolatées. Alors Steve, imagine si tu fais ça en vrai au travail, là, tu spawns le bouton de la barre chocolatée jusqu'à qui on est plus, tu ramasses. Enfin, c'est ce que je viens de faire. Maintenant, je pense que je vais m'attirer des ennuis avec les collègues, hein. Pas d'accord. Ah merde, ça coûte 2 crédits chaque truc. Merde, quel con. Je viens de gâcher tout mon argent, le mec. Le mec trop accro. J'ai 11 barres chocolatées. J'ai 10 canettes. Allez, je les bois toutes d'un coup. Alors là, c'est beau. 10 canettes d'un coup. Allez, 11 barres chocolatées d'un coup. Ça, c'est pas magique, Steve? Je viens de bouffer. Eh, quand même, je viens de bouffer 11 barres chocolatées et 10 sodas. Là, je pense que je vais bien pisser et chier après. Hein. Ouais, casserole, va te faire. C'est vrai que je vais pas lancer la casserole. Fuck!
Terminal d'information publique. Oh bordel, encore de la lecture. Terrorisme, crime ou justice. La question doit être posée. La poussée du terrorisme constitue-t-elle la réponse désorganisée à une économie en ruine ou résulte-t-elle d'une prise de conscience morale modélisable? M'en fous. L'UNEDCO fait-elle face à une opposition idéologique organisée? Certaines organisations comme le groupe français Silhouette, dédicace, bling bling, ont déclaré à la guerre, mémé. J'aime bien, ils ont déclaré mémé. Mémé! Salut mémé! Ça va mamie? Mémé. Vas-y. Ils désignent également sous leur terminologie absconce. Absconstance par le terme guerre du sens. Une guerre contre les clichés psychosociaux, ils diffusent emails et pamphlets qui caricaturent la prise de position des Nations Unies en faveur d'une démocratie mondiale. Et se complaisent par des sophismes et de double langage. Ils caractérisent la liberté dans une soumission, la démocratie comme une tyrannie déguisée, et l'UNEDCO comme le véritable investigateur du terrorisme. Ah, shut the fuck up! Une affirmation gratuite aussi chiante que chelou. D'autres organisations comme les révolutionnaires autoproclamés, qui se cachent sous le sobriquet des nationalistes, sionistes, fondamentaux des nationalistes. Les États-Unis se sont rangés dans la même bannière de la guerre du sens. On reconnaît pourtant dans l'action des méfaits d'une bande de criminels de droit commun. Ils réclament en fait l'obtention d'un territoire de confiscation de certaines richesses au détriment de biens collectés. Leur guerre du sens n'est rien d'autre qu'un écran formé pour donner une apparence avantageuse à leur activité criminelle. C'est bien important ce que je dis. Toute population peut être facilement et rapidement retournée contre les révolutionnaires et préserver les idées qui répandent grâce à une éducation et une information sérieuse et impartiale quant à la politique des Nations Unies et les buts poursuivis. Joseph Mandare, directeur chiant de l'UNEDCO. Terrorisme, ampleur et menace, les attentats symboliques tels que la destruction de la Statue de la Liberté, la profanation du mémorial de guerre soviétique à Berlin et le mitrage des grands magasins d'Auchars Road à Singapour sont un nouvel exemple historique du recours pathétique des faibles à la violence. Ils n'ont d'autre but que de focaliser l'attention du public sur un groupe ou une autre ultra minoritaire. Le véritable terrorisme se distingue par son escalade progressive dans les moyens employés qui va jusqu'à la pénétration d'authentiques actes de guerre. Certains groupes d'extrémistes disposent désormais de technologies assez puissantes pour organiser des attaques à grande échelle contre des gouvernements légitimes. Ces technologies incluent notamment des armes nucléaires, biologiques et chimiques DBC. Même si l'on exclut les assauts directs contre une nation et sa population, il n'en reste pas moins que les attaques indirectes entraînent des dommages collatéraux considérables. Le piratage des logiciels peut déséquilibrer les marchés financiers. Saboter les communications et compromettre les opérations. Les programmes de cryptage permettent en outre aux terroristes de coordonner les opérations de contrebande dans le plus grand secret grâce au réseau mondial Internet. La drogue, les immigrants clandestins, les armes et même les équipements lourds comme les blindés, les missiles de croisière traversent la frontière et utilité à tel programme. C'est vrai, Internet, c'est incroyable. Connaître son ennemi, NSF. Attends, j'ai encore 4 trucs à lire. Les NSF, prends des pop-corn. Nationaliste et nationaliste fondamental. Représente plus que jamais une menace terroriste véritable. Il y a 10 ans, des groupes dissidents ou de presque tous les ministres d'État refusèrent fermement de remettre leurs fusils, grenades, mines antipersonnelles et tout autre artisan qui tombait sous le coup de l'interdiction promulguée par la loi sur les armes et le sport de 2042. Et se rassemblent sous la bannière de la plus charismatique d'entre eux, Léon Woods. Ces fanatiques isolés s'organisèrent dans des phalanges NSF, Woods s'attribuant le titre de général en chef. Leur but affiché, la libération de Washington, du Montana, de l'Oregon et de la Californie du Nord. Si Woods mourut au cours de sa tristement célèbre bataille pour l'honneur en 2045, ces bêtes de guerre poursuivirent ce qu'on doit se résoudre à appeler une guerre d'occupation sur le territoire même des États-Unis.
Utilisant un réseau informatique crypté sophistiqué mis en place par des scientifiques dissidents de San Francisco et de Seattle, à ce jour, les services cryptologie de Lunatco n'ont remporté que quelques succès importants secondaires dans le piratage de leurs communications. Plus que jamais, le travail des agents de renseignement sur Terre reste irremplaçable. Point. Connaître son ennemi, Silhouette. Devenu célèbre pour être parvenu à diffuser des publicités pirates du style 20e siècle au cours des retransmissions de la Coupe du Monde de Football de 2050. Là, j'ai envie de l'avoir, celle-là. Le groupe Silhouette semble privilégier les contrariétés à la violence. Les circuits imprimés sont un rapport essentiel à un petit déjeuner, affirmé notamment aux enfants l'un des spots. Il faut manger machine pour devenir une vraie machine. Un enfant métallique mâche une puce de silicone. Les enfants se mangent bio et se font défoncer la tête par leurs petits camarades post-humains. Les enfants métalliques coiffés de casques Unatco tabassent lentement un jeune garçon. En dépit du caractère débonnaire de leur intervention, ces intellectuels, artistes et anarchistes représentent une menace sérieuse. Ils disposent d'un équipement militaire conséquent et leur responsabilité a dû être établie dans nos rumeurs de journalistes et d'hommes politiques européens. Ils n'hésiteront pas à utiliser la force de manière aussi brutale que prévu. Ouais, GG, hein, les Silhouettes, ils sont intelligents, c'est normal, c'est des Français. Connaître son ennemi, les Triades. Ouais, bon, ça, je les ai déjà affrontés dans Hitman, hein, donc. Il y a Hong Kong en plus, hein, vas-y, hein. Je les ai même affrontés dans Sleeping Dogs, hein. Ils ont peur de moi, les Triades, maintenant, hein. La surveillance de Hong Kong, actuellement, une propriété. Une priorité de l'UNATCO, compte tenu de la résurgence du crime organisé chinois sous la forme de triade. Hong Kong est un modèle de prospérité et d'avance technologique depuis des dizaines d'années. Ce qui n'empêche pourtant pas cette mégapole à toujours être un des points d'ancrage favoris du crime organisé. Les triades, à savoir la Voie du Soleil et la Flèche Rouge, s'affrontent pour le contrôle du trafic maritime à des 10 milliards de crédits qu'ils génèrent annuellement. L'essentiel des marchandises étant constitué de technologies pirates, de drogue illicite et d'armements qu'ils approvisionnent tout le marché asiatique. Puis encore, les triades prêchent une esthétique techno-pirate accueillie très favorablement chez les commerçants et hommes d'affaires. Partenaires économiques privilégiés des criminels. Crédulés à vide, cette armée d'intermédiaires n'hésite pas à accorder leur son aide et sa clientèle insensible au fait que les violations des lois sur la propriété intellectuelle et copyright mettent en grand péril toute l'économie de l'information. Menace diffuse. Les agents de l'UNATCO ont pu identifier plus de 1250 organisations terroristes que je vais toutes lire, Steve. Non, je déconne. Actives dans le monde. Et si certaines sont trop petites pour représenter une véritable menace, toutes n'en travaillent pas moins à la chute d'un ou plusieurs gouvernements. Des groupes tels que les Chevaliers Templiers. Ah, sympathique, hein. Ça, c'est... Ouais, pas faux bête, hein. Et X5, ouest des États-Unis, feront l'objet de bulletins ultérieurs dans la rubrique Connaître son ennemi. Oh, putain. Ça veut dire que je vais bientôt devoir te le relire, ça aussi, hein. Les Chevaliers Templiers X5. Ah, vivement que je bouffe, là. Tu me lâches un peu, là. Salut, Gunther. Travaillera avec un avare. Ouais. Gunther, il ne cache pas être malala, hein. Et toi, t'étais aussi dans l'initiation, je crois, tu m'avais parlé, hein. Anna aussi, j'ai l'impression. Oh, enfin, bon. Ah oui, j'y étais, je crois, ouais. Glad to have you aboard. Hein, de quoi? T'es bourré, Steve? He's waiting, JC. Ouais, c'est bon, j'ai compris qu'il m'attend, ce con. Sauf que... Ce sera dans la prochaine vidéo. Eh oui, hein, je leur fous bien le doute, hein. Qu'est-ce qu'il va nous raconter le patron? Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ben Julien il est plus là, je sais pas ce qu'il avait à foutre, il est encore allé chercher une bière dans la cave, et voilà. Et donc on s'arrête avec Steve. Ouais. Dis ton dernier mot, Michel. Bon, salut à tous, moi je vais manger. Ciao ciao.